encore un effort. Quelques combats suffiront. Tu étais si fort avant ton évolution. Salut à tous, c'est Philong, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode et comme vous l'avez vu, nous devons abandonner Yaourtine. Aujourd'hui, vous avez voté et je vais vous dire la vérité, ça m'arrange. Parce que je supportais pas ce mec. Et un dresseur ! Mes Pokémon brillent de mille feux. Tu sais quoi d'autre brille de mille feux ? Bah en fait, je sais pas trop parce que j'ai pas grand chose à dire. Parce que ma bite, ça passe pas, parce que ça ne brille pas de mille feux. Enfin, c'est rare quand même. Mais oui, c'est clair. Putain, y a des... Laissez-moi passer. Je dois soigner mes Pokémon. Parce que du coup, je dois faire le tour nul. Ah, mais attendez. Je vais faire la technique fourbe numéro 30. Regardez, la technique ultime. Quand, si tu mets tes Pokémon dans une boîte, ils vont ressortir soignés. N'est-ce pas fantastique? Oui, parce qu'on est, on doit utiliser Coccinus et abandonner Yaourtine. C'est ça, hein. C'est pour ça aussi qu'on y va. Voilà, toute ma team est à nouveau soignée. C'est vraiment le soin de SDF, hein, mais bon, ok. Allez. Écoute, Yaourtine... Je suis désolé, mais tu es allé beaucoup trop loin dans le troll, hein, Régigigas. Adieu. Ça c'est pour toi Liliaf. 3, 2, 1. Oh non, un combat double. Viens donc te frotter à nous si tu l'oses. Deux cerveaux valent mieux qu'un. Alors, ça dépend des cerveaux. Par exemple, si tu prends la communauté de Pokémon Trash, oui vous, on peut dire que 600 000 cerveaux valent moins qu'un cerveau. Oh Fildro, mais t'es vraiment un connard. Bou bou bou. Oh, ah merde, j'ai mis... Oh là là, regardez l'intimidation, trop stylé. Et l'aura inversée, évidemment. Giratina, hein. Notez que je l'ai chez Mine, tellement il est stylé. Oh, t'es tellement belle. Oula, les revenants, oh, on commence à avoir l'habitude, évidemment. Et le tourbissable, regardez sur le Lixi. Et hop là. Boulélec. Excuse-moi, ça ne m'a pas fait bien mal. Et voilà l'anti. Toi, c'est anti, c'est pas... mal quand même, hein. on sent la puissance du Pokémon, hein. En même temps c'est juste un petit légendaire. Petrushka. Allez, la récupération des points de vie. Ah non, Giratina. Comment, qu'est-ce que je fais avec mon Coccinus? Attendez, je vais switcher sur Boubacar. Boubacar qui est de retour quand même, hein. Boubacar qui est de retour pile au bon moment, parce que sinon il aurait été supprimé. Je pense qu'il serait parti avant Yaourtine. Ah mais j'ai encore Munja sur le truc, je suis bête. Attendez, faut que j'arrange ça. Oh, prends mon épée s'il te plaît. Oh oui. Tu peux arrêter de spammer. Moi, je mets la danse Draco, évidemment, hein, tout à fait. J'aime pas être inutile sur un tour, donc du coup, je mets une danse Draco. Hein. Oh là là, tu n'as pas attaqué la bonne personne. Allez, sabotage. On peut. D'accord, c'est un Giratina avec un objet. Ça me semble tout à fait logique. Bon, bah voilà. Hop. Au revoir, Giratina. Tu ne me manqueras pas. Oh, l'XP, c'est bon ça. Hermangarde monte au niveau 23. Oh là là, Coccinus. Coccinus! Oh là là. Ouh. Scout de France va prendre un plore. L'insort s'approche de la cible avec un air angélique pour dérober l'un. Bah du coup il a... Oh, c'est peut-être mieux que... En vrai Flamèche ça va. Bah écoutez, on va rester comme ça. Non c'est nul. Ça m'intéresse pas un plore. Ah mais si, je suis trop con, j'avais besoin de... John Boubacar va prendre Osmerang. À la place de vol. J'aurais dû pour voler les orbes vie. Mais quel... Il a dit Sarful. Merde. Non. J'ai envie d'appuyer sur B. Mais en même temps j'ai confiance.
Pas d'à coup, on y va doucement, hein. On va pas se faire un lumbago tout de suite de bon matin. La colline s'amouille. Salut, qui es-tu? C'est une fille ou un mec ça? Framboisette. Ah bah c'est une fille, la capitaine de la colline Camouille. Je suis la manageuse de Trash, et oui rien que ça, tu voudrais pas m'aider un peu le grand? TKT serette. Merci Fifou, hic. Quoi, elle a trop bu? Est-ce que c'est parce que elle serait russe? Framboisette. Oh, oh. Ah oui, il y a Wishiwashi, c'est vrai. Oh mon dieu. Salut. Tu vois les remous au milieu du lac? On dirait. Mais qu'est-ce donc que ceci? On dirait un verre de la bonne vodka de chez Mère Patrie qui se fait vider. Russie, Mère Patrie. Va me chercher un bon petit verre de Polyakov, mon grand fifou. Oh mais prépare-toi bien quand même avant de choper du Polyakov ou souvent se battre. Et j'ai un low class. À dos de low class, tu vas pouvoir aller chercher du bon cru sa mère. Je parle exactement comme Framboisette. Moi, je lui ai déjà parlé en vrai, elle parle comme ça. Souka, 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 briat, un pardon, je m'apporte. Quoi qu'il en soit, il est temps d'aller voir de plus près ces dangereux remous. Évidemment, hein, les Russes qu'on embrasse. J'ai bourré mon sac à dos de Pokémon et je suis parti à l'aventure. C'est très intéressant. J'ai un sac à dos. Regarde. Bah écoutez, nos pressions, hein. On a Scout de France. Si c'est un Latias lance-flamme, bon, voilà. Sanction suprême. Tellement belle cette attaque. Pouah. L'attaque de Zygarde 100% Z. Dans Z qui veut dire Zoro. Draco Marteau. Ok, elle a toutes les attaques signature de type dragon. Je prends pas cher Latias. Encore sanction suprême. Je rappelle que sanction suprême annule les talents des Pokémon, il me semble. Je crois que ça fait ça. Hein. Une fois que t'as fait l'attaque. Allez, demi-tour. Demi-tour, il y a une chance que ça tue pas. J'ai rien dit. Et Ermengarde pour finir. Ah là 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 là. Ce combo de Pokémon. Oh, il avait déflagration. Mais il est trop con, le mec. Allez, hop, à demain. Si t'avais fait déflagration directement, eh ben, t'aurais moins de problèmes. Ermengarde niveau 24. Va prendre sport. Ah oui, alors sport c'est oui. À la place de soins qui sert à rien vu qu'on a des potions. Scout de France au niveau 25. John Boubacar au niveau 25. Coccinus au niveau 18. Il va prendre racine, Coccinus. Non. Eh ben dis donc. Défaite terminus. Oh. Prions pour le Scorvol. John Boubacar, reviens-moi. Scorvol ou Scorplan. John Boubacar, maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. John Boubacar. Je veux mon Scorvol. Donnez-moi mon Scorvol. Scorvol, je sais que c'est un Scorvol. C'est pas un bruit de Scorvol. Mais non, pas les mondes. Pas si c'est pire que Morpheo. A few moments later. Fifou, tu as suivi l'appel de la vodka jusqu'ici. C'est le début de l'épreuve. L'épreuve. Ok. Ah, je vais devoir tuer le Pokémon dominant. Bon, je sens que je vais me faire
patouiller les fesses, hein, comme on dit en Angleterre. Allez, c'est parti. Un coup de tonnerre. L'Anclas tremble de peur, carrément. Oui, bah oui, je me rappelle, évidemment. Mais ça va pas être un fou sardine, hein, les mecs. Hein. C'est dommage, d'ailleurs, parce que c'est stylé, le fou sardine dominant. Hein. Fou sardine. Alors, ça va être quoi? Bien sûr. Je vais me faire défoncer. Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Pourquoi est-ce que je perds mes journées sur ce jeu? Que suis-je? Où vais-je? Pourquoi Olivier est un fils de pute? Tant de questions, sans réponse. Jamais. Oh, dans la panique, Fifou a fait tomber de l'argent! Ah bah zut alors, je me hâte vers un centre Pokémon et je dois tout refaire. Bah heureusement que c'est marrant ce let's play. Dis donc. Ah, viens, on met un Kyogre sous la pluie avec onde originelle. Ah bah dis donc, c'est vraiment trop drôle. Fuck. S'il avait pas les rêves, dis pas. J'aurais peut-être une chance à force de bourriner, tu vois. Mais comme il a... Il faut absolument que je le sabote. Et le problème, c'est que... Saboter un Pokémon qui te one-shot, c'est compliqué. Allez, sabotage. Rat. Ouais, c'est mort. Il a 150 de base en attaque spéciale, les mecs. Oh, la puissance de Boubacar! Je lui ai enlevé ses restes! Boubacar, tu l'as fait! Malgré tous mes changements, je serai toujours là pour toi, mec. Il peut plus rendre de PV. Il peut plus récupérer de PV. Enfin, je sais pas sa dernière attaque. Il a plénitude, laser, glace, onde originelle. Je sais pas ce qu'il a en dernier. Allez, le petit vive attaque pour mettre des petits dégâts nuls. Confidence. Confidence, c'est la suite du plan. On met Shame In. Et on baisse l'attaque spéciale de Kyogre. Parce qu'on est plus rapide que lui. Allez, je suis sûr qu'on peut le faire, les mecs. Voilà, en plus c'est prioritaire, je crois, Confidence. Je baisse son attaque spéciale. Il a fait laser glace, il a pas eu de coup de main, je pense, le tank. Ça fait mal quand même. Il faut sardine qui fait anneau hydro. Ok, je lui ai baissé. Maintenant, je fais feuillage. Je suis rigide. Ça devrait faire un peu de dégâts quand même. Stabé, super efficace. Ok, il est à moins 1 en attaque spéciale, les mecs. Oui, d'accord. Oui, je sais que je suis mort. C'est pour ça que j'ai pas refait confidence, parce que je savais qu'il allait faire son coup de main nul, là, et que j'allais mourir. Ok. Allez. Sport. C'est, si, il y avait pas ce Froussardine coup de main de merde. En fait, je crois qu'il faut que je le tue. C'est juste ça, hein. Oui, mais il va réappeler à l'aide, en fait. C'est pas rentable. Je pense qu'il réappelle à l'aide, en fait. Ok. Ne te réveille pas au premier tour, mec, et j'ai une chance. C'est parti. Vampi baiser, Kyogre. Allez. Ne te réveille pas au premier tour. Deux vampi baiser, ça tue. Allez. Vampi baiser. Il dort. Deuxième vampire baiser. Ok. Si ça tue pas, je peux finir avec une priorité. Je peux le faire. Je sais que je peux le faire. Putain, l'autre. Le Froussardine le plus fils de pute de la Terre. Allez. Tiens, voilà. Alors, Froussardine, on fait moins le malin tout seul sans ton grand frère Kyob de merde. Hop là. Allez, à demain, hein. J'ai battu le Kyogre dominant, voilà. Fou. L'eau classe. Coucou. Oh, bravo Fifou, reviens par ici. Je reviens là. Je ne sais que dire, tu as vaincu le Primo Kyogre. Au fond de moi, je suis un petit peu déçu.
Non, moi, je suis bien obligé de reconnaître ta réussite à mon épreuve. Je suis un Mongol. Je suis tellement heureux. Je suis tellement heureux qu'on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. La puissance de Shaymin Confidence, quoi. Qu'a fait le taf, c'est ouf. N'hésitez pas à commenter, okay. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne Pokémon Trash et à la chaîne Fieldrong si c'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss.